avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, tététété. Chère Sabine, je comprends pas trop pourquoi le maître il m'entraîne pas vraiment. Enfin, pour l'instant, il m'a juste entraîné à nettoyer son caca et à enlever et mettre ma veste, et il m'a entraîné aussi à enlever les miettes dans sa barbe avec ma langue. Mais le temps file, je vais devoir te laisser, chère Sabine. Quoi ? Quoi ? T'aimes pas ton surnom ? Mais le prends pas comme ça, Akichou le moineau. Sabine, c'est un petit nom affectif, tu sais, moi on m'appelle bien Walter l'abeille, donc... Quoi, tu me défies ? J'ai pas peur de toi, ok ? Mes mains sont aussi puissantes que tes ailes, d'accord ? Mes poings sont bien plus piquants que ton bec. Et sache que moi, je trouve pas les roues cool. T'as peur ? Tu t'enfuis ? T'es pas un moineau, mais un couard. Oh, traître ! Je me vengerai ! Vole plus bas que je te pisse dessus ! Walter l'abeille ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi menacer le ciel de lui uriner dessus ? Je m'entraînais à insulter les judokas, maître. Oh ! Très bien, Walter l'abeille. Les judokas méritent ta haine urinaire. Walter, tu sais que... Je pense que tu vas devenir mon meilleur élève parce que ton ying est presque aussi grand que mon yang. Et tu vas devenir tellement mon meilleur élève que c'est Akichou Moineau qui va devoir nettoyer mon caca. Retourne-toi et viens dans mes bras. Walter l'abeille. Walter, va nettoyer le caca qui est sur ta joue et après, tu vas aller nettoyer les jambes de Monsieur Shinseng, celui qui a les jambes qui coulent. Allez. Allez. Pourrais-je me taire plus longtemps ? Ce secret me brûle la barbe.